Et si tu n'es pas marié, je pense que le Seigneur te fera grâce aussi. Amen. Donc, je vais inviter l'apôtre Douglas pour notre temps de prédication. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Alléluia. Levons nos deux mains vers le ciel. Tu vas dire à Dieu, parle-moi, fais-moi grâce, bénis ma vie. Élève ta voix, prie avec moi. Dispose mon cœur à recevoir ta parole. Au commencement était ta parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Là où tu es, de là où tu te trouves, parle-lui. Qu'il vienne, qu'il descende, que sa gloire vienne, que sa gloire descende. Alléluia. Merci Père. Merci Père pour ce moment. Merci pour ce temps de louange, d'adoration. Nos cœurs te touchent Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons recevoir la réponse venant de toi. Nous voulons que tu puisses nous parler, nous enseigner, nous instruire, nous communiquer ta parole. Qu'elle sorte avec puissance, qu'elle sorte avec vie. Qu'elle soit ointe de l'Esprit de Dieu. Que ma personne s'efface et disparaisse. Je déclare que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans ma faiblesse, dans mon incapacité, je compte sur la force de l'Esprit. Oui, Seigneur, mon Dieu. Glorifie Jésus. Guéris les malades, Seigneur. Délivre les captifs. Que la gloire de Dieu soit visible et manifeste. Donne-nous la connaissance et la révélation de Jésus. Change nos vies. Transforme-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous prie de prendre place. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite? Salut ton frère de gauche et de droite. Est-ce que tu peux te lever? Embrasse-le, dis-lui bonne fête de Pâques. Salue-le, salue-le. Lève-toi, va voir ton frère, ta soeur. Dis-lui bonne fête de Pâques. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue également de la part du pasteur principal de notre église. Vous connaissez son nom? Il s'appelle Jésus-Christ et je suis juste son assistant. Amen. Et vous avez également les salutations de notre père dans la foi, mon père dans la foi, pasteur Israël Sembe de Kinshasa. Il m'a demandé particulièrement de vous transmettre ses salutations. Dans ce temps de célébration de Pâques où
Nous ne fêtons pas une fête religieuse, mais nous nous rappelons d'une grande œuvre qui a été manifestée à la croix il y a près de 2000 ans. Et c'est pour ça que aujourd'hui pour nous c'est un grand jour de fête, de joie, un jour également de célébration, un jour de gloire. Amen. Nous avons passé une semaine au Canada, dans l'Assemblée du Canada, qui vous transmet aussi leurs salutations. Avec le pasteur Aimé qui sera avec nous le mois prochain. Vous recevez leurs salutations? Amen. J'ai trouvé que l'Église a beaucoup évolué, beaucoup grandi, et on bénit le Seigneur pour cela. Nous voyons vraiment la main de Dieu. C'est après un an que je n'ai pas été, et je prie vraiment que les autres ministères aussi puissent disposer de leur temps pour aussi aller travailler dans l'œuvre missionnaire. Puisque le champ est vraiment vaste, le travail est vraiment grand, et il y a beaucoup d'invitations, beaucoup de travail à faire, mais nous ne pouvons pas aller partout. On n'est pas Jésus pour être omniprésent. Il n'y a que Jésus qui est omniprésent. Et j'étais vraiment encouragé de voir le travail qui se faisait là-bas. Merci pour nos prières. Continuons à prier. Nous voulons bâtir une grande église, une forte église à Ottawa, qui est la capitale même du Canada. Et pourquoi pas s'étendre à Montréal, à Toronto et d'autres je dirais, ville, grande ville du Canada. Voilà un peu le compte rendu. Le Seigneur nous a vraiment aidés, nous a assistés. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent dans les médias, via les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je veux nous parler sur le thème de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Révélation du mystère de Christ. Depuis le début de l'année, nous parlons de la conquête, nous avons beaucoup parlé sur l'idolâtrie, nous avons exposé les œuvres des ténèbres, nous avons proclamé, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Mais le temps arrive où nous devons parler de celui qui est capable de nous amener dans la conquête. Et je vais brosser un peu, je vais faire comme un enseignement de ce mystère de Christ depuis le commencement jusqu'à nos jours pour chuter sur son œuvre à la croix et la victoire que nous avons suite à l'œuvre de la croix. Allons-y dans la parole de Dieu, dans le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens au chapitre 2, nous allons lire juste deux textes. Prenez vos cahiers, prenez vos stylos parce que nous allons faire beaucoup de lectures aussi. Et enfin, nous prierons. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Dis à ton voisin, Dieu va te faire beaucoup de bien. Dis-le encore, Dieu va te faire beaucoup de bien. Christ, c'est le centre de tout. C'est lui le centre. Ce n'est pas un homme, une femme, encore moins Satan et les démons, mais c'est Christ, n'est-ce pas? Colossiens chapitre 2, le verset 1er au verset 3. Est-ce que nous pouvons nous tenir tous debout pour lire la parole de Dieu? Tenons-nous debout, que chacun prenne sa Bible et nous voulons lire. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, pour ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Romains au chapitre 16. Romains au chapitre 16, le verset 25 au verset 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, le seul sage, soit la gloire au siècle de siècles par Jésus-Christ.
Amen. Gloire à Dieu. Je vous prie de prendre place. Merci. Révélation du mystère de Christ. Dans le premier texte que nous avons vu, nous avons lu que Christ était le mystère de Dieu. Quand on parle de mystère, on voit une vérité qui est cachée, qui est appelée ou amenée à être révélée ou encore manifestée. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est inconnu, quelque chose que nous ne voyons pas, nous ne percevons pas, quelque chose que nous avons du mal à comprendre et à percevoir de par notre intelligence qui est limitée. Quand on parle de mystère, nous voyons des codes, des choses qui sont secrètes, qui sont cachées. Vous ne pouvez pas accéder à leur connaissance si vous n'êtes pas initié. Voici pourquoi il existe des sciences à mystère. Voici pourquoi il existe des religions à mystère. Où pour être entraîné, il vous faut un maître, un guide pour vous amener dans la profondeur de la connaissance et de la révélation des choses qui sont cachées et profondes. Et la Bible, et Paul ici, qui était un des grands prédicateurs de l'évangile, il a prêché Jésus, il a prêché la croix. Lui-même, il le dira, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Il présente Christ ici comme un mystère. Alléluia. Et dans, si vous lisez dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 3 à 5, Éphésiens 3, 3 à 5, Paul dit ceci, prenons-le rapidement, Éphésiens chapitre 3, il dit quelque chose de très important. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été révélé aux filles des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il dit qu'il a reçu une intelligence spirituelle. Il a reçu pas une intelligence intellectuelle, mais spirituelle pour connaître le mystère de Dieu, pour connaître Christ, pour avoir sa révélation, pour avoir sa connaissance. La Bible dit « Connaissons et cherchons à connaître le Seigneur ». Tu ne peux pas connaître Dieu si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit pour comprendre le mystère de sa personne. Tu peux lire les choses, tu peux lire la Bible, lire les écrits, mais si le Seigneur ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne comprendras rien de ce qui est Christ. Tu auras une connaissance théologique, tu auras une connaissance scripturaire, la lettre qui tue, mais tu n'auras pas le réma, tu n'auras pas la révélation qui ne vient pas des écoles, mais qui vient de Dieu seul. Que Dieu donne l'intelligence à quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu donne la révélation à l'église de ce temps qui sont les derniers pour connaître qui est son Seigneur, connaître qui est son Sauveur. Et là, tu ne te laisseras plus marcher, tu ne te laisseras plus traîner derrière, tu ne seras plus derrière, tu seras en avant, tu seras ta position et ton identité en Jésus. La révélation du mystère de Christ. Il faut une intelligence spirituelle, pas une intelligence intellectuelle. Et la Bible dit que cette révélation n'a pas été manifestée dans les générations passées, dans le siècle passé. Cela veut dire que tout le monde, tous les hommes qui ont existé depuis le tout premier homme, ils ont tous voulu avoir la révélation, la connaissance de Dieu, de ce mystère. Mais la Bible dit qu'il y avait comme un voile. Ça n'a pas été manifesté à leur temps, à leur génération. Mais Dieu décide que dans ce temps qu'ils sont les derniers, qu'ils puissent se manifester à quelqu'un. Ils puissent se révéler à une personne. Alléluia. Les écrits des prophètes ont parlé de Christ. Tous les prophètes qui sont venus, chacun successivement, ils ont parlé de Christ. Et toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, est centrée sur une seule personne, Jésus-Christ. C'est pour cela que, même si on parle de beaucoup de choses dans l'Église, il faut revenir sur la personne centrale. Celui qui fait que l'Église existe. Celui qui fait, c'est la raison d'être de ta vie. Si tu es là, si je suis là, si nous sommes là, c'est à cause de lui. À cause de lui que Dieu révèle maintenant ce mystère à l'humanité. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin de Jésus. Oh là là, j'ai l'impression qu'il ne t'a pas entendu. Dis-lui, tu as besoin de Christ. Dis, notre église a besoin de Jésus. Dis, la France a besoin de Jésus. Lui seul peut stopper le terrorisme.
Amen. Pourquoi Christ était-il un mystère? Plusieurs raisons, deux fondamentales. La première raison, vous la trouvez dans le livre de Ésaïe, chapitre 45, verset 15, où la Bible dit que présente Dieu comme étant un Dieu qui se cache. Ésaïe, chapitre 45, le verset 15, on nous dit, tu es un Dieu qui te cache. Donc, notre Dieu est un Dieu qui se cache. Et Christ, c'est le mystère de Dieu. Donc, le mystère de Dieu se cache depuis des générations, depuis des âges. Dans tous les âges qui ont existé, Dieu s'est caché. Il a caché sa face à la face de l'humanité. Mais il a décidé à un moment précis, comme le frère, notre pasteur l'a dit tout à l'heure, après la résurrection, le voile était tombé. Amen. Dans Deutéronome chapitre 29, le verset 29, Deutéronome 29, verset 29, la Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. Les choses cachées, Dieu cache certaines choses. Et les choses cachées, c'est le domaine de Dieu, c'est réservé à Dieu. Mais les choses qui sont révélées, manifestées, c'est ce que Dieu met à la disposition de tout le monde. C'est pourquoi quand Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Tu ne peux pas voir ma face. Et Moïse a vu le dos de l'Éternel. Mais je me dis une chose, si avec le dos ils ont mangé, si avec le dos ils ont fait des miracles et avec la face, nous ne sommes plus dans la génération du dos, dans le temps du dos, dans la dispensation du dos, dans la saison du dos. La saison du dos, c'était avec Moïse. La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes dans une nouvelle dispensation, dans un nouveau temps où Dieu veut se révéler, Dieu veut se manifester autrement, différemment que hier. Tu ne le verras plus comme hier. Si hier tu as connu d'une manière, je te dis à partir d'aujourd'hui, tu vas connaître Jésus d'une autre manière. Parce que le Saint-Esprit te donnera la révélation de sa personne. Amen. Proverbe chapitre 25, verset 2. Dieu dit, il est écrit ceci. La gloire des hommes ou la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu prend des fois plaisir à cacher les choses pour que vous puissiez le chercher. Dieu est plus que le diamant. Dieu est plus que l'or. Il est plus que les pierres précieuses. Mais vous ne pouvez jamais retrouver les pierres précieuses, les choses précieuses facilement comme ça. Il vous faut creuser, il vous faut travailler, aller en profondeur. Si Dieu est plus que le diamant, cela veut dire que quelquefois pour le voir, quelquefois pour l'expérimenter, il faut le chercher ardemment. Oh, j'aime Dieu, il dit, celui qui me cherche me trouvera. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est un Dieu qui se cache, mais pas seulement parce qu'il a envie de se cacher, mais lorsque tu le cherches, il sort de sa cachette, il vient et il se manifeste dans ta vie, pour ta vie. Oh, que Dieu se manifeste dans mon ministère, que Dieu se manifeste dans ma famille, que Dieu se manifeste dans l'Église. L'Église a besoin de la révélation de Dieu. Dans ces temps qui sont les derniers. Amen. Et dans toute la Bible, et nous voulons le voir, dans certains textes, toute la Bible nous parle de Christ. Amen. Il y a des typologies. Il y a des choses, des personnes qui préfiguraient Christ. Il y a aussi des individus, des hommes qu'on appelait des rois, qui étaient des préfigurations ou comme des types de Christ. Mais il y a également ce qu'on appelle la théophanie. La manifestation de Dieu en forme humaine. Alléluia. Et nous voulons voir quelques points rapidement. Prenez avec moi Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Une manifestation de Christ dès le commencement, la Bible présente comme étant la lumière. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre devint informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur toute la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu appelle la lumière comme si la lumière était une personne. Et tous les théologiens sont d'accord que la lumière dont il est question, ce n'est pas le soleil. Parce que le soleil et les luminaires ont été créés le quatrième jour. Cela veut dire la lumière du soleil que tu vois a été créée le quatrième jour. Mais la lumière que Dieu a appelée n'était pas le soleil. Cette lumière était Dieu lui-même, était Jésus-Christ lui-même. Que la lumière soit, Dieu appelle la lumière, le Père appelle.
appelle, le Père envoie la lumière. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Laisse-moi te dire, dans tes ténèbres, dans tes tâtonnements, la lumière de Christ viendra t'éclairer. Alléluia. La Bible dit, car dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est pourquoi je déclare la fin de toutes ténèbres de ta vie au nom de Jésus. Tu as raté l'occasion de dire amen. Peu importe les ténèbres, la confusion, le trouble dans lequel tu te retrouvais, je déclare que la lumière de Christ vienne. La Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Que la lumière brille dans tes ténèbres au nom de Jésus. C'est pourquoi tous les ennemis seront surpris. Oh, j'aime quand j'entre dans une maison, là où il y avait des cafards, ils profitaient des ténèbres. Mais lorsqu'on allume la lumière, tous les cafards fuient. Et je déclare les cafards de ta vie, les démons, les sorciers vont fuir parce que la lumière de Christ apparaît. Elle va luire davantage, on va voir Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, regarde mon visage. Dis à ton voisin, regarde mon visage. Dis-lui, regarde mon visage. Dis, ça brille bien même. Ça brille bien même. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Pas toujours. Bientôt, Christ, la lumière des nations, la gloire d'Israël va se révéler, se manifester. Et il mettra terre, un terme à ta confusion. Oh, il nous arrive tous de vivre des moments de confusion. Même quand tu es dans le ministère, des fois tu ne comprends pas bien. Tu as les choses, tu sers Dieu, tu pries Dieu, mais les choses sont des fois un peu compliquées, difficiles. Je vais à gauche, je vais à droite, je ne sais pas où me positionner. Mais même dans cet tâtonnement, sa lumière va apparaître et Dieu te montrera le chemin. Il a dit, je t'instruirai, je te guiderai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Tu ne seras plus dans la confusion. Amen. Ça, c'est Jésus. Regarde ton voisin, dis ça, c'est Jésus. Oh, tu le dis avec faiblesse comme ça. Regarde, on dit, ça c'est Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons son nom. Nous le célébrons aujourd'hui. Pas quelqu'un d'autre, lui seul. Amen. Une autre image que nous avons de Jésus, dans la Bible, toujours dans l'Ancien Testament, la Bible l'appelle l'ange de l'Éternel. Vous avez déjà entendu parler de l'ange de l'Éternel? Alors, vous entendrez ou vous verrez l'expression ange de l'Éternel que dans l'Ancien Testament. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était une préfiguration. La Bible nous dit que les anges sont des créatures de Dieu, envoyées pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Mais en ce qui concerne l'ange de l'Éternel, vous allez voir dans ses caractéristiques, il est différent. Aucun ange n'a accepté d'être adoré, sauf cet ange. Parce qu'on ne peut pas adorer des anges. Donc si tu adorais des anges, il faut arrêter. On n'adore pas les anges. On ne cherche pas non plus à avoir des plumes d'anges dans sa Bible, dans sa voiture. Parce qu'il y a des gens qui aiment des plumes d'anges. Ah, j'ai prié, j'ai vu des plumes d'anges. Gloire à Dieu. Amen. Mais l'ange de l'Éternel était une, je dirais, comme une théophanie, une manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Lisez, prenez quelques références. Genèse chapitre 16. Genèse 16, verset 6 à 10. Genèse 16, verset 6 à 10. On nous parle de l'ange de l'Éternel qui s'adressa à Agar lorsqu'elle fuyait Sarah. Et Dieu lui parle en lui disant, je multiplierai ta postérité. Donc l'ange parle comme si c'était Dieu qui parlait. Alors que Dieu avait dit à Abraham, je multiplierai ta postérité. Mais dans ce contexte, c'est l'ange de l'Éternel qui parle à Agar. Dans Genèse 21, verset 17, nous retrouvons la même chose. On l'appelle l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel ou encore l'ange de Dieu. Dans Genèse chapitre 31, Genèse 31, verset 11 à 13, la Bible nous parle également de l'ange de Dieu. Et là, par contre, il se révèle à Jacob comme étant le Dieu de Bethel. Waouh! L'ange de Dieu parle à Jacob. C'est l'ange de Dieu qui parle à Jacob. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Si c'était un ange, il n'allait pas dire, je suis Dieu, parce que l'ange n'est pas Dieu. Les anges sont des créatures. Dieu est Dieu éternel. Pas de commencement de vie, ni de fin de jour. Il existe par lui-même. Et il est le créateur de toutes choses. Mais l'ange de l'Éternel ici se représente et la représentation de Jésus-Christ. Le Dieu de Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. El Bethel, c'est-à-dire le Dieu de la maison de Dieu, c'est Jésus. C'est lui la
tête de l'église. Le chef de l'église, c'est lui. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. La colonne et l'appui de la vérité. Amen. Dans Exode chapitre 3, versets 1 à 14, Exode 3, versets 1 à 14, nous voyons le même ange qui va apparaître à Moïse. Moïse qui était le plus grand de tous les prophètes en Israël. Alors qu'il sortait pour paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, il arrive là au mont Sinaï, il voit le buisson qui était tout en feu. Il se détourne pour voir quelle était cette grande vision. Et Dieu va parler depuis le buisson ardent. Dieu se révèle à lui depuis cette grande vision. C'était l'ange de Dieu. Et cet ange dira, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et quand Moïse pose la question, tu m'envoies libérer ton peuple. Qu'est-ce que je vais leur dire? Ils ne me croiront pas. Il dira, tu leur diras, celui qui s'appelle je suis, vous envoie, t'envoie. C'est-à-dire l'ange de Dieu, l'ange de l'éternel, c'était lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'était lui également, je suis. J'aimerais te dire, ton Dieu ne se conjugue pas au passé. Oh, si hier tu as eu des expériences, c'est hier. Hier, c'est hier. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas seulement le même hier. Parce qu'il y a des gens qui ont des expériences du passé. Ah, nous, quand nous fumons, quand Dieu nous utilise âme. Oh, où est ton Dieu? Il est le même hier, aujourd'hui. C'est le même Dieu aujourd'hui qui va dire, Ephrata, ouvre-toi. Et je dis à quelqu'un que ta situation s'ouvre maintenant. Ephrata, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est le même. Il s'appelle Je suis. Je suis. Maintenant, toi-même, rajoute par rapport à ta situation, rajoute la tribu. Si tu es malade, je suis Yahvé Rapha, l'éternel qui te guérit. Quel est ton problème? Amen. Moïse l'a vu. Le grand je suis. Quand vous lisez dans Juges chapitre 6, verset 11, jusqu'au verset 22, dans Juges 6, à partir du verset 11, l'ange de l'éternel apparaît à Gédéon, qui était un des juges. Alors que Gédéon était faible, il dira, je suis petit. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit de ma famille. Je lui dirai, tu iras, car je serai avec toi. L'ange de l'éternel lui apparaît et dit, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici qui se sent faible, incapable, Dieu est avec toi. Si tu marches dans la crainte de Dieu, sache que Dieu est de ton côté. Il est avec toi, il est avec toi, il est avec toi. Ne cherche pas à courir après les pseudo-prophètes. Les pseudo, je ne sais pas, évangélistes, recherche la présence de Dieu qui va changer toutes choses dans ta vie. Et Gédéon dit, si c'est toi, attends que je t'offre un sacrifice. Gédéon part, il prend un chevreau, il vient. Et quand il sacrifie le chevreau, la Bible dit, un feu descend du ciel et consume. Quand Gédéon voit ça, il dit, malheur à moi, car j'ai vu l'ange de Dieu face à face. Parce que les Juifs savaient que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Quand quelqu'un voit Dieu, cela supposait qu'il doit mourir. Mais laisse-moi te dire, la grâce de Dieu fait que tu dois voir Dieu maintenant au travers de Jésus. Par Jésus-Christ, nous voyons Dieu. Jésus a dit quoi? Depuis longtemps, je suis avec vous. Vous me demandez où est le Père? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Je prie que tes yeux s'ouvrent, que tu ne sois plus comme Gédéon à cette époque, mais que tu vois Dieu et que tu vois le Père. Alléluia. Dans Psaume chapitre 34, verset 8, la Bible dit, c'est un verset que nous connaissons, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mon ami, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Il y a Jésus qui est campe autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de tes projets, de tes affaires, de tout ce que tu as. L'ange de l'éternel campe autour. Parce que vous ne connaissez pas les combats spirituels que nous avons. Il y a des sorciers qui attaquent. Nous vivons dans un siècle où l'occultisme a pris un tel niveau et à un tel niveau. Vous n'avez pas l'idée. Mais si Dieu ne nous protège pas, David dit quoi? Si l'Éternel n'était pas mon protecteur, mon bouclier, mon âme serait depuis longtemps dans le séjour de mort. Si Dieu n'était pas là, laisse-moi te dire, depuis longtemps, peut-être qu'on t'aurait déjà enterré. Mais on ne t'enterrera pas avant le temps.
Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas avant le temps. Je dis à quelqu'un, le problème d'AVC ne te prendra pas avant le temps. Je dis à quelqu'un, le problème de maladie ne t'affectera pas parce que le temps où Dieu te rappelle n'est pas encore arrivé. Oh, tu as raté l'occasion de dire amen. J'aimerais te dire, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel parce que Dieu est avec toi, il est de ton côté, il te protège. Tu ne craindras point la flèche qui tombe, la flèche qui vole la nuit. Tu ne craindras point les contagions. Il éloignera la maladie de ta maison. Quand l'âge de la mort va frapper les maisons des Égyptiens, il y aura la marque du sang de Jésus sur les portes et sur les linteaux. J'aimerais te dire, tu es un homme et une femme d'alliance. Tu es en alliance avec Jésus et rien ne pourra te toucher, de prendre, t'atteindre. Amen. Et dans Juges 13, versets 17 à 18, l'ange de l'Éternel sera envoyé auprès de Manoac, le père de Samson. Alors que sa femme était stérile, il lui dit, tu enfanteras un fils. Oh, j'aime quand Dieu donne la prophétie. En fait, la prophétie ne dépend pas de la réalité. La prophétie vient, elle vient pour te dire que ta réalité est contraire à ce que je dis. Bon, tu as raté l'occasion de dire amen. La prophétie va changer la donne. Et dit, tu deviendras enceinte. L'enfant que tu porteras sera rempli de l'esprit. Il ne boira ni liqueur forte ni vin. C'est pourquoi, une parenthèse, il faut quand même des fois éviter le vin, les liqueurs fortes. Parce que ce n'est pas compatible avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu un amen. Ah, j'entends quelqu'un dire, pasteur, un peu de vin pendant le repas. Mais bon. Amen. Prie le Saint-Esprit qui te donne toi-même, lui-même la révélation. Et Manoac demande à l'ange qui lui est apparu, mais quel est ton nom? Quel est ton nom? Parce que quelqu'un qui vient vers toi, il t'annonce de grandes choses, tu ne le connais pas, tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et tu vas dire, mais tu viens d'où toi? T'es qui toi? Il dira, mais pourquoi veux-tu connaître mon nom? Mon nom est merveilleux. Mon nom est admirable. En fait, cet ange s'est identifié à Jésus. Parce que la prophétie avait dit quoi dans Ésaïe chapitre 9? Un enfant nous est né et un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? On l'appellera admirable, en d'autres termes merveilleux. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Manoac a vu Jésus dans la forme de l'ange de l'Éternel. Amen. Dans Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5. Zacharie 3, 1 à 5. Là, c'est Josué qui avait des vêtements sales. Alors que Satan était en train de le réclamer, l'ange de l'Éternel lui dira, voici, j'enlève, j'ôte tes vêtements et je te revais de vêtements de fête et j'ôte ton iniquité. Dans ce texte ici, l'ange de l'Éternel vient à Josué, le souverain sacrificateur, comme un avocat. Oh, tu as besoin d'un avocat. Tu as besoin de quelqu'un qui va défendre ta cause. Tu as besoin de quelqu'un qui va parler en ta faveur. Tu as besoin de quelqu'un qui va te défendre. Dans Malachie chapitre 3, verset 1, il apparaît comme l'ange de l'alliance ou encore le messager de l'alliance. Le messager de l'Alliance, celui qui apporte la bonne nouvelle. Troisième grande manifestation de Jésus que nous voyons, c'est Melchisédek. Dis avec moi, Melchisédek. Genèse chapitre 14, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Melchisédek. La Bible nous dit, lorsque Abraham était revenu vainqueur de Kedorlaomer et de ses rois, le roi de Sodom vient à sa rencontre. Genèse chapitre 14. À partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Et la Bible dit, Melchisédek, qui était sacrificateur, ou encore souverain sacrificateur du Dieu très haut, lui apparut et lui apportait le vin et le pain. Écoutez un peu. Melchisédek, quand on voit dans la Bible, il était roi de Salem. Salem veut dire cité de paix.
plutôt paix. C'est ce qui a donné Jérusalem. Jérusalem, d'accord? La cité de paix. Et la Bible dit qu'il était le roi de paix. Sacrificateur, bâtisseur de ponts. Celui qui rétablit les hommes avec Dieu. Et il vient au devant de notre père Abraham. Abraham ne pouvait pas avoir la foi sans la révélation de Jésus. Tu ne peux pas avoir la foi sans Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la Bible dit que Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, ensuite du grec. Parce qu'en lui, en l'évangile, est révélée la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Ainsi qu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Et voici notre père dans la foi rencontre Melchisedec. Oh, ma prière est que tu le rencontres. Et quand Melchisedec arrive à Abraham, il dit à Abraham, tu veux être sauvé, mais tu ne peux pas être sauvé sans le pain, sans le vin. Il n'y a pas de salut en dehors de l'œuvre de la croix. Il faudrait que le sang coule et il faudrait que sa chair soit crucifiée. Et prophétiquement, Melchisedec parle déjà d'Abraham, de l'œuvre salvatrice de la croix. Oh, quand on parle de la Pâque, on voit le pain et on voit le vin. Et il lui apporte cela. Amen. La base de la foi. Et Abraham crut en lui. Et cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi quand les gens sont venus voir Jésus, Jésus dira à ces gens-là, ces religieux, vous savez, avant qu'Abraham fût, je suis. Les gens n'ont pas compris. Pourquoi il a dit je suis? Melchisedec. Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Il dit, mais Jésus, tu es malade. Tu n'as même pas 30 ans, tu n'as même pas 40 ans, tu as vu Jésus. Tu as vu Abraham. Jésus dit quoi? Avant qu'Abraham fût, moi je suis. En réalité, il y a une faute. Vous qui parlez français, hein, les francophones, il y a une faute, non? Avant qu'Abraham fût, il fallait qu'il dise aussi j'étais. Mais il dit je suis. C'est pour dire quoi? Depuis ce temps-là, jusqu'à maintenant et jusque dans l'éternité, je suis le même. Ah, quelqu'un ne m'a pas bien compris. Avant qu'Abraham fût, je suis, Jésus est. Il apporte le vin, il apporte le pain, la Pâque. Oh Seigneur, merci pour la Pâque. Merci pour ton sang. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3, on nous décrit qui était Melchisedec. J'aimerais bien lire ce texte. Hébreux chapitre 7. Hébreux 7. Waouh. Randabashaka. Inderebo Sharabaka. La puissance de Dieu est en train de guérir quelqu'un du problème de l'œil. Tu as un problème au niveau de ton œil. Tu dois même subir une intervention. Donc, sang de Dieu te touche. J'aimerais te voir tout à l'heure pour prier pour toi. Hébreux chapitre 7, à partir du premier verset. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans mère, il est sans père et sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Le sacrificateur à perpétuité. Et la Bible dit Jésus est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Un ordre qui n'est pas lévitique, un ordre qui n'est pas aaronique, un ordre qui est éternel. C'est-à-dire une sacrificature qui ne connaîtra jamais de fin. Alléluia. 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 Quatrièmement, la fête de Pâques représentait aussi l'œuvre de la croix, Jésus. Nous sommes dans Lévitique, chapitre 23, à partir du premier verset jusqu'au verset 5 par là. Vous lirez, notez juste là le texte. Quand on parle de Pâques, on voit quoi? Donc voyons les enfants d'Israël captifs en Égypte, n'est-ce pas? Et Dieu envoie Moïse, il donne à Moïse des signes qui devaient manifester pour que Pharaon libère le peuple. Et regardez quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit ceci à Moïse. Lorsque tu feras le premier signe, si le peuple t'écoute, gloire à Dieu. Mais s'il n'écoute pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du dernier signe. Waouh!
Et vous allez voir que Dieu a opéré des signes. Lesquels? C'était des plaies, des jugements de Dieu contre les dieux égyptiens. Et j'aimerais dire à quelqu'un, garde à toutes les personnes dans le secret qui veulent te toucher. Et si vous êtes là, si vous voulez toucher à ma vie, garde à vous. Parce que dans le secret, Dieu se levera. Comme Moïse a dit, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Pharaon, Moïse lui dit, libère mon peuple, laisse aller mon peuple. Il dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Hey! Fais comme ça. Hey! Hey! L'Éternel, toi un homme, tu dis, qui est Dieu? Lui, quand il parle, sa voix fait trembler les montagnes. Au point où le peuple dit, non, Moïse, toi pas écouter Dieu. Tu as déjà entendu Dieu, toi? As-tu déjà entendu la voix de Dieu? Wow. Oh, j'aime le psaume 29 qui parle et qui célèbre la voix de Dieu. David dit, la voix de Dieu est puissante. La voix de Dieu brise les cèdres du Liban. La voix de Dieu fait enfanter les biches. La voix de Dieu brise les rochers. La voix de Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La voix de Dieu appelle même Lazare de la tombe. Et Lazare sort de la tombe. Et la Bible dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est une voix qui communique la vie, qui communique la vie, qui appelle les morts à la vie, qui appelle les morts à la vie. Ranamana Shaka. J'aimerais dire à quelqu'un ici, lorsque tu as cette voix avec toi, frère, c'est une révélation pour quelqu'un. Ne continue pas toujours à prier. Commence aussi à faire des déclarations. Tu n'as pas bien saisi. Il y a certaines choses, tu as beaucoup prié. Le temps maintenant arrive où tu dois déclarer. Déclarer, c'est parler. Tu as reçu la vie de Dieu en toi. La voix de Dieu parle au travers de toi. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Tout existe par la parole. Oh, tu ne m'as pas compris. Même la femme que tu es, avant d'épouser l'homme pour avoir des enfants, si l'homme ne t'avait pas parlé, n'est-ce pas Brice? Évangéliste. Quand tu as vu maman au lit, tu as parlé. À celle qui t'a parlé. Alléluia. La parole. Dis avec moi la parole. Dis avec moi la parole. C'est dans ta bouche. Déclare, parle. Moi, il a dit, ok, pas de problème. On saura de toi et de nous qui a le véritable Dieu. Lève ta verge. Mets sur le Nil. Tac. Le Nil devient du sang. Un fleuve, comme la Seine, là vous allez à la Seine, ça devient du sang. Tous les poissons meurent. Et Dieu vous montre que maintenant c'est lui. Tout le monde a peur. Personne n'arrive à le faire. Lève ta verge. Il lève la verge. Toute la poussière, ça devient des mouches. Ça devient des poux. Des grenouilles. 10 plaies. Et à la 10e plaie, Dieu dit, bon, maintenant, Pharaon saura. J'aimerais te dire, on ne fait pas le bras de fer avec ce Jésus. Oh. Il dit, je vais frapper tous les premiers-nés. Commençant par le premier-né de Pharaon, jusqu'au premier-né de bétail, jusqu'au premier-né de ce plus petit qui est dans la prison. Je vais les frapper. En une nuit. Et Dieu dit, pour que vous soyez épargnés, tuez l'agneau pascal. Vous comprenez pourquoi c'est important de célébrer la Pâque? Vous tuez l'agneau. Tuez l'agneau, prenez sa chair, mangez-la, prenez son sang, appliquez sur les linteaux. Quand l'ange viendra la nuit, il verra le sang et il va sauter. J'aimerais te dire, quand on t'attaque la nuit, quand il voit seulement, ah, ici, il y a qui? La maison de Douglas. Ah, l'ange de la mort saute et il va chez le voisin. J'aimerais te dire, tu ne seras pas atteint comme tout le monde. Tu ne seras pas affecté comme tout le monde. Quand Pharaon a vu que son fils était mort, Pharaon s'est plié. Il a dit, je vous libère, allez avec vos brebis, allez prier, servez votre Dieu. Ensuite, Pharaon demande à Moïse de le bénir. Or, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Tu n'as pas compris.
les mêmes gens qui s'opposent à toi, les mêmes gens demain viendront. Ah, bénis-moi. Quand tu entends quelqu'un te dire bénis-moi, c'est-à-dire il a reconnu qu'en toi, il y a un esprit supérieur. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Pharaon a reconnu que Dieu est le véritable Dieu. C'est pourquoi quand des fois tu es dans des situations difficiles, dis Dieu, que l'on sache aujourd'hui qui est tu es Dieu, au milieu des enfants de Dieu, et que je suis ton serviteur, étends ta main. Je vais redire à quelqu'un, Dieu va étendre sa main. Je vais redire à quelqu'un, Dieu va étendre sa main, afin que l'on sache qu'il est le seul Dieu. Et c'est à partir de là, Exode 12, que la Pâque a été instituée. Le 14 du mois de Nissan, qui est devenu le premier mois pour Israël, qui tombe entre mars et avril. Et dans Lévitique 23, Dieu a fait de cela maintenant une institution, une fête religieuse. Mais cela préfigurait quelque chose, Christ. Quand Paul parle aux Corinthiens, il dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est Christ qui est notre Pâque. Et la Pâque, c'est vrai, aujourd'hui on commémore cela. Mais ce n'est pas seulement un jour. C'est chaque jour que les chrétiens fêtent la Pâque. Ah oui, c'est chaque jour. C'est chaque jour. Chaque jour, tu célèbres ta victoire, ta résurrection. Amen. 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 Je disais Amen. Cinquièmement, allons-y vite. Les prophètes de la Bible préfiguraient aussi Jésus. Les prophètes de la Bible préfiguraient aussi Jésus. Si vous lisez dans Exode chapitre 18, verset 18, Exode 18, 15 à 18, Exode 18, 15 à 18, Moïse dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera parmi vous un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, écoutez-le. Écoutez-le. Et Moïse est reconnu comme étant le plus grand prophète. Et même la Bible dira de lui, il n'a point paru en Israël des prophètes comme Moïse à qui Dieu parlait face à face. Il lui parlait sans énigme. Vous comprenez? Dieu l'avait fait Dieu pour Pharaon. Il dira, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Vous comprenez? Il a reçu l'autorité, le pouvoir. Le bâton qu'il avait, il utilisait le signe du pouvoir divin dans sa vie. Et un deuxième prophète qui préfigurait aussi Christ, Élie. Élie, le Tishbite, était une préfiguration qui confronta les prophètes de Baal et d'Astarté. Il a fait tomber le feu du ciel et Élie a été enlevé au ciel. Il n'a pas connu la mort. Christ aussi est venu, il n'a pas connu la mort. Plutôt, il a connu la mort, excusez-moi. Il est mort et troisième jour, il est ressuscité et il fut enlevé au ciel. Élie nous parle aussi d'une préfiguration de l'enlèvement. Le même Dieu qui est venu, Jésus, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Et nous croyons à l'enlèvement de l'Église et nous attendons l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Toute la Bible parle de lui. Les sacrifices des animaux, sixièmement, les sacrifices des animaux et le sang des animaux parlaient aussi de Jésus. Genèse chapitre 3, verset 21. Quand l'homme et la femme pêchent, Dieu tue un animal. L'animal n'avait rien fait, mais Dieu l'a tué. Le sang a coulé, il prend de sa peau, il révèle l'homme une image de la justification. Car nous avons été justifiés par la foi en son œuvre expiatoire. Car la justice de l'homme n'est que souillure, comme un vêtement souillé. Seule la justice de Christ peut nous faire comparaître devant Dieu. Dieu ne nous voit pas au travers de notre propre justice, non. Mais Dieu nous voit au travers de la justice de Christ. Car Christ pour nous a été fait sanctification, justice. Amen. Lévitique chapitre 17, versets 11 à 13. La Bible nous parle que la vie est dans le sang. Dieu l'a donné sur l'autel afin que cela serve d'expiation. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Parce qu'il fallait qu'un sang pur coule. Tout le sang était contaminé, le sang des boucs et des taureaux étaient contaminés. Il n'y avait aucun sang qui était pur pour sauver l'humanité. Voici pourquoi quand il est venu, Jean l'a dit, l'a indexé en disant, voici celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et plus loin, Hébreux dira, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort.
Ça veut dire quoi? Il est venu prendre la forme humaine pour se sacrifier comme un agneau sans défaut, sans tâche, une victime expiatoire. Mes amis, mes frères, mes sœurs, sans l'œuvre de Jésus, personne ne serait sauvé. Sans l'œuvre de Jésus, nous n'entrerons pas dans le royaume éternel de gloire. C'est pourquoi chaque jour, tu dois dire merci à Dieu pour le sang qui a coulé. Tu dois lui dire merci. Tu dois lui dire merci, merci. Ce n'est pas par de l'argent ni de l'or que nous avons été rachetés. Mais le sang de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui le sang de Jésus. Dis-le-lui encore, le sang de Jésus. Dis-lui encore à haute voix, le sang de Jésus. Le diable n'aime pas entendre ce nom-là, le sang de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut célébrer le sang de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour son sang? Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je connais un pasteur qui ne voulait plus qu'on parle du sang parce qu'il sait que lorsqu'on parle du sang, les œuvres des ténèbres sont paralysées. Faites attention quand quelqu'un ne parle pas du sang de Jésus. Faites attention à l'église, on ne prend pas la Sainte Seine. Faites attention. Certainement les œuvres de la sorcellerie œuvrent là-bas. Je vous dis la vérité. Amen. 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 Le sang de Jésus. Septièmement, je vais finir dans cette typologie et puis je vais conclure. Nous avons le tabernacle, le temple et tous les ustensiles représentés aussi Christ. Le tabernacle, le temple et tous les ustensiles. Exode 25, 1 à 9. Exode 25, 1 à 9. 1 Chronique 7. 1 à 18. Exode 29, 1 à 9. 1 Chronique 7, 1 à 18. Vous pouvez lire aussi Hébreux 9, 1 à 10. Hébreux 9, 1 à 10. Le verset 10 nous parle de ces choses qui étaient une ombre jusqu'à une époque de la réformation. Le temps où Dieu a rendu toutes choses manifestes. Et qu'est-ce que nous voulons voir là-bas? Nous voulons voir les choses que Dieu avait demandé à Moïse de construire, notamment le tabernacle. Plus tard, David a eu à cœur de construire le temple. Et tous les ustensiles préfiguraient Christ. L'autel d'airain, par exemple, il y avait dans le temple, l'autel d'airain, où on faisait le sacrifice d'animaux, ça préfigurait Christ et l'œuvre de la croix. L'autel d'or, où on offrait des parfums, représentait Christ, par qui nos prières sont adressées à Dieu. Quand vous priez, il faut toujours prier au nom de Jésus. Car il y a des gens qui prient et puis à la fin, ils disent Amen. Non, il faut prier au nom de Jésus. Et on ne prie pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On prie au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. En mon nom. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est valable uniquement pour le baptême. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne la prière, et nous prions au nom de Jésus. Toute prière faite au nom de Jésus est exaucée par Dieu le Père. Amen. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et le Père, Jésus-Christ, homme. Ne priez pas les saints, ne priez pas d'autres personnes, priez Jésus seul. La cuve de reins représentait aussi Jésus. C'est là où on lavait les souillures. C'est Jésus qui est venu laver nos souillures. La table des pains de proposition représentait Jésus qui nous donne le pain. Il a dit lui-même, je suis le pain de vie, le pain du ciel. La manne représentait Christ. Car il est la manne du ciel. Amen. Il a dit, vos pères ont mangé cette manne, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain du ciel. Vous avez déjà vu le pain qui vient du ciel? Jésus est le pain du ciel. Donc si tu es venu ce matin, tu n'as pas mangé, sache que tu es en train de manger le véritable pain. J'entends quelqu'un dire, ah, je suis venu, j'étais en retard, je n'ai pas pris mon petit déjeuner. C'est pas grave. Le pain du ciel est plus que ton petit déjeuner avec les omelettes. Amen. Amen. L'arche était une préfiguration de Jésus, la gloire de Dieu. La Bible dit en Jésus, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu, sa gloire était cachée dans l'arche. L'arche, sur l'arche, il y avait deux chérubins comme ça qui avaient les ailes déployées, qui couvraient la gloire qu'on appelait aussi quelque part la Shekinah. Mais c'est la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et c'était une préfiguration
de Christ. Et je méditais une fois sur Josué chapitre 3. Avant que Dieu dise à Josué d'aller conquérir, il a dit au sacrificateur de porter l'arche et de traverser le Jourdain. Et il dit, les sacrificateurs seront devant parce que l'arche de Dieu doit montrer le chemin. Parce que vous n'êtes jamais passé par cette route-là. Ce qui veut dire quoi? C'est la présence de Jésus qui te montrera le chemin à suivre. C'est la présence de Jésus qui te montrera le choix de ton mari, le choix de ta femme. Arrête de faire des choix charnels. Est-ce qu'il y a des sœurs ici? Les sœurs célibataires, j'en veux, vous en tombe pas. Je le regarde, il n'est pas beau, il n'est pas... Oh! Toutes les sœurs pensent que les meilleurs frères sont dehors. Tous les frères pensent que les meilleurs sont dehors. Non, mon frère, non, ma sœur. Le problème, c'est l'arche. Oh, porte l'arche avec toi. L'arche te montrera qui tu dois épouser. J'aimerais te dire, l'arche, Jésus te montrera le chemin. N'est-ce pas qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Oh, que Dieu nous aide. Et un jour, on a dit à Jésus, dans Jean chapitre 2, on lui a parlé de quelque chose, et Jésus va se retourner vers les pharisiens, il dira, détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Les gens ont pensé qu'il parlait du temple de Jérusalem. Mais il dit non, le temple de Jérusalem est trop petit. Le véritable temple que David voulait construire, en réalité, c'était, il voyait déjà ma venue ici. Il dit, détruisez ce temple, tuez ce corps. 3 jours, je le relèverai. On l'a détruit, on l'a enterré, on nous a dit tout à l'heure, 3 jours, il suffisait seulement de 3 jours. C'est-à-dire, ils ont mis des gardes, ils ont mis la pierre devant le tombeau, mais sans les secours d'aucun homme. La Bible dit, la terre a tremblé. Oh, j'aimerais te dire, quand Dieu veut te ressusciter, ça ne dépend pas d'un homme, ça ne dépend pas d'une femme. Le ciel va intervenir et la puissance de la résurrection va pénétrer et tu vas sortir de ta situation. Et Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Amen. Et tous les prophètes de la Bible ont parlé de lui. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé tout sur la grâce qui vous était réservée, ils ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont voulu connaître le temps et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui parlait en eux. Mais Dieu leur a dit, ce n'était pas pour vous. Ils ont fait de cela leur recherche. Ils ont fait de ces choses l'objet de leurs investigations. Mais le problème, c'est que le temps n'était pas encore arrivé. Le mystère ne pouvait pas encore être percé. Parce que quand Daniel a écrit, Dieu a dit à Daniel, scelle la prophétie. Qu'on la lise à la fin des temps. Parce qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Mais lorsque Jésus est mort et ressuscité, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré en deux. C'est pour dire que ce qui était caché hier n'est plus caché. C'est à ta disposition. C'est pourquoi l'ange va dire à Jean d'Apocalypse 22, ne scelle pas le livre parce que le temps est proche. J'aimerais te dire, la révélation de Jésus n'est plus cachée. Non, tout ce que je viens de dire, c'était caché autrefois. Maintenant, ça n'est plus pour toi. Ce mystère caché nous est révélé dans les écrits des prophètes. Et toute la Bible en parle, de Genèse à Apocalypse, en parle. Oh, ma prière est que Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un, que Dieu ouvre l'intelligence de quelqu'un, que Dieu parle à quelqu'un. Un jour, Jésus pose la question, qui suis-je aux yeux des hommes, au dire des hommes? Il y en a qui vont dire, tu es Pierre, plutôt tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, ou l'un des prophètes. Vous me permettez que je descende un peu, j'ai envie de descendre. Vous permettez? Ok, gloire à Dieu. Il dit ceci. Il dit, les uns ont dit que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie ou l'un des prophètes. Et Jésus dit, et vous qui dites-vous que je suis? Vous qui dites-vous que je suis? Il y a eu un silence de mort. Personne n'a pu répondre. Ils étaient là en train de se regarder l'un de l'autre. Il est qui? Il est réellement qui? Parce que tu peux être avec Jésus homme sans connaître Jésus Dieu qui était en lui. Car en lui était cachée la divinité. Et la Bible dit, si vous l'avez connu selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus selon la chair. Est-ce que je peux comprendre, essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un? Ce Jésus n'est pas le Jésus des noirs ou le Jésus de blanc. Parce qu'aujourd'hui il y a une guerre. Oh non, nous, il faut le Jésus de black. Non, il n'existe pas le Jésus de black. Le véritable Jésus est le même, il est spirituel. C'est le même Dieu pour les noirs, le même Dieu pour les juifs, le même Dieu pour tout le monde. Nous ne le connaissons plus selon la chair.
parce qu'il est mort. La Bible dit, le corps, lorsqu'il est semé, il ne ressuscite pas de la même nature. Il n'est pas, quand il était mort, il était, c'est vrai, un juif. Mais lorsqu'il est ressuscité, il n'était plus juif, il était un Jésus glorieux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus est porteur de la gloire. Laissez-moi vous dire, il marche dans cette salle ce matin. Il marche dans cette salle ce matin. Je vous dis la vérité, il marche dans cette salle. Et je vois la gloire de Dieu qui se balade. Je vois la gloire de Dieu qui passe, qui bouge. Et Pierre dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Mon Père, car tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut, descend du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et toute la Bible parle de lui. Non seulement la Bible parle de lui, la Bible dit aussi l'univers parle de lui. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance infinie, éternelle, se manifestent comme à l'œil nu lorsque nous le considérons dans ses œuvres. Regarde ton voisin, dis-lui, qui est Jésus pour toi? Non, non, regarde-lui, dis-lui qui est Jésus pour toi. Alors, laissez-moi vous citer un peu dans les sciences des hommes, la manifestation de Jésus dans toutes les sciences. Dans tous les domaines. C'est-à-dire, tu retrouves Jésus dans tous les domaines. C'est pourquoi il peut bien se révéler aux médecins qu'aux architectes. Il peut bien se révéler aux maçons. Il peut bien se révéler aux botanistes. Quelqu'un m'entend? Les zoologues l'appellent le lion de la tribu de Judas. Ceux qui travaillent dans les eaux, ils reconnaissent Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda. Les forestiers l'appellent l'arbre de vie. Les océanologues l'appellent le fleuve de vie. Tu es un peu en retard. Les géologues, ceux qui travaillent dans la géologie là, l'appellent le rocher. Les marins, vous connaissez les marins? Ils l'appellent le capitaine de notre salut. Les gens de la maison d'édition, ceux qui travaillent dans les maisons d'édition, les écrivains. Il est l'auteur de notre foi. Les éleveurs, ceux qui font l'élevage, ils appellent Jésus le souverain berger. Tu as encore du mal à comprendre. Les professeurs de l'université l'appellent la sagesse. Si le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la croix, de la prédication. La sagesse infiniment variée de Dieu. Les administrateurs du gouvernement l'appellent le conseiller. Tout président a besoin de conseillers, mais le meilleur conseiller, c'est mon Jésus. Les prisonniers l'appellent le libérateur. Oh, si tu es dans la prison, sache que tu as un libérateur. Les menuisiers l'appellent la porte. Oh, si ta porte est brisée, sache que Jésus est la porte. Par lui tu peux entrer, par lui tu peux sortir. Les pêcheurs l'appellent l'ami des pêcheurs. En astronomie, on appelle Jésus l'étoile brillante du matin. Oh, en journalisme, on appelle Jésus la vérité. Parce que tous les journalistes veulent donner la vérité. Mais la véritable vérité. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai envie de danser. Il est la vérité. Les architectes appellent Jésus le plan de Dieu. Les médecins appellent Jésus Yahvé Rapha, celui qui t'est guéri. Oh, peu importe ta maladie, la guérison est en train de venir. Les transporteurs, toi qui as une société de livraison, il est le chemin qui t'indique le lieu ou la destination. Les services traiteurs l'appellent le pain de vie. En sociologie, on l'appelle le Dieu d'amour. Toi qui as le cœur brisé, broke, parce qu'un homme t'a abandonné. On t'a claqué la porte, on t'a minimisé. Il est l'amour de Dieu qui vient te consoler.
Oh, j'aimerais te dire, si tu n'as personne dans ta vie, c'est pas que tu n'as personne, tu as Jésus. Les hommes peuvent te quitter, mais Jésus est là. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Jésus est là. Les hommes peuvent te laisser, mais Jésus est là. Je disais, Jésus est là. Je disais, Jésus est là. Les enseignants l'appellent le maître. Les théologiens l'appellent le bâtisseur. Les juristes l'appellent le médiateur et l'avocat. Oh, toi qui es juriste, tu as l'avocat suprême. Et quand tu vas défendre le dossier, sache que l'avocat peut parler dans ta bouche. Quelqu'un peut dire amen? Les ingénieurs en génie civil. Y a-t-il des ingénieurs en génie civil ici? Les ingénieurs l'appellent la pierre angulaire. L'église l'appelle le chef de l'église. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, il est ton chef. Non, il ne t'a pas bien entendu. Dis-lui, il est ton chef. Dans la monarchie, on l'appelle le roi des rois. Bien-aimé, il y a des rois. Mais il y a aussi le roi qui est au-dessus de tout le roi. La Bible déclare, il a reçu le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Les photographes et les caméramans l'appellent l'image de Dieu. Autant qu'on prend les photos avec ton portable. La véritable image, c'est Jésus. L'image du Dieu invisible. La Bible dit, il nous a appelés, prédestinés, afin que nous soyons tous à l'image de son Fils. Et les électriciens l'appellent la lumière du monde. Oh, que deviendrait le monde sans lumière? Toi qui fais l'électricité, il est ta lumière. Il est notre lumière. Et je vais finir. L'humanité peut l'appeler la star de tous les stars. Il y a des stars dans le foot. Il y a des stars dans la musique. Il y a des stars dans tous les domaines. Mais je connais une seule star dont le toit ne finit jamais de briller. Il ne fait jamais fin de carrière. Oh, j'aimerais te dire, parce qu'il est en toi, tu ne feras jamais fin de carrière. La star qui est en toi brillera. Jésus est ta star. Footballeur, Jésus est ta star. Centre, Jésus est ta star. Entrepreneur, Jésus est ta star. Pasteur, évangéliste, docteur, prophète, Jésus est ta star. Il est l'homme le plus beau, l'homme le plus puissant, le Dieu glorieux. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur et célébrer son nom? Il n'est plus un mystère. Il n'est plus un mystère. Il est révélé. Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel. Amen.